Alors là, toujours, c'est un spectacle, pas animation. Animation assurée par la MBC dans le salon Orange Expo. Donc, Nanouman animateur, Wenasam Amigan, l'équipe Linley, donc toute l'équipe de, du matin, de, la matinale sur Cool FM. Nanouman journaliste qu'il a également. Donc, il peut faire de vivre l'événement Salon Expo sur les ondes de la MBC. Ta télévision est là, InfoZen est là spécialement pour cet événement-là. Et avec nous, Nanouman, nos enfants aussi. Sarah, bonsoir. Bonsoir, ici. Alors, bien sûr, entouré, bien entouré, Sarah Zodi dans Orange Expo. Oui, extraordinaire Orange Expo, mais est-ce qu'il te connaît qu'il y a l'association Tidiams avec nous aujourd'hui, avec ben jeunes, ben enfants et aussi des parents? Donc Tidiams, nous ne t'en parlons bien sûr, mais tu fais nous découvrir que plus Saudi. Oui, surtout sur le combat qui Tidiams peut mener pour encourager, pour soutenir ben jeunes et ben parents des enfants diabétiques. Me tourne vers Madame Vedi. Bonsoir Madame. Bonsoir Sarah. Alors, ou une mère de famille, comment est-ce qu'il gère le diabète de Yashita Utfi? Yashita, comment dire, le matin, je fais un test glycémie au lit. Je suis comme ça, glycémie était, mais si comment dire, il y a un peu bas, je n'ai pas fait ce, ce injection. Je donne manger avant, après, elle a fait ce piqûre, cette injection. Et puis, il fait 5 injections par jour. Il fait lit le matin, petit, comment dire, avant petit déjeuner. Et puis, déjeuner, quand il finit de déjeuner, il fait son injection, il fait son test glycémie avant le déjeuner. Et puis, dans des temps, il refait un test glycémie. Mais cela en ville est normal. Donc, comme on prépare son manger pour le matin, ce petit déjeuner, on a deux filles, tous les trois amènent la même qualité de manger. Pour les patients, on est triste. Il sent qu'il est normal, mais la famille, bah, on se pareil comme lui. Et sinon, on a également le père de famille. Bonsoir, Monsieur Andy. Bonsoir. Alors, où est un petit appareil avec vous? Est-ce que vous pouvez montrer nous lui? Oui, ça, c'est un appareil. Oui. C'est un appareil lui, le primordial pour un enfant diabétique. C'est à travers cet appareil-là qu'il a gagné un bon suivi médical. Mais l'appareil-là, c'est ça l'appareil-là qui peut décider s'il est en bonne santé, une journée. Mais ça l'appareil là nous fait un test glycémie, ça veut dire ce taux du sucre dans son sang. Mais normalement, quand je fais un test là, si il est en 4.5 à 6.5, il est OK. Là, c'est un normal range. Mais si il finit de manger, s'il est au 10.4, il n'est pas bon là. Et sinon, un appareil comme ça, combien il coûte? Un appareil comme ça, il coûte environ 2 500 roupies. Ça, c'est pareil. À 16 semaines de banlit, une boîte de banlit 50 pièces, il coûte environ 750 roupies. Et sinon, comment on gère ça au niveau des finances, etc.? Moi, c'est grâce à l'association Tidam qu'ils ont dit, je vais trouver un fardeau pour moi. Je vais avoir un support complet, un encadrement complet, besoin de avec l'association Tidam. Ça, l'appareil là, je vais avoir un free of charge. Mais je connais, je ne peux pas débourser aucun argent la fin du mois. Pour savoir le matériel diabétique là. Et nous tournons maintenant vers Stéphane. Stéphane, bonsoir. Alors, toi, tu es un sportif et tu es également diabétique. Comment est-ce qu'il te gère ça? Est-ce qu'il te met en activité? Il est normal? Il paraît comme un individu qui peine en diabète? Bon, écoutez, je fais partie d'une équipe de volleyball. Donc, au niveau de l'entraînement, tout passe pareil, puis il n'y a aucune différence. Donc, c'est maintenant, je fais un type d'entraînement, mais si je fais pareil. Sauf dans mon côté, moi, il y a un petit précaution qui m'a besoin de prendre avant qu'il me commence mon entraînement. Donc, je vais checker mon glycémie avant. Donc, j'ai besoin d'un range qui m'a besoin de respecter. Et par rapport à cela, je suis capable de continuer mon activité sportive. Et entre-temps, j'ai besoin de prendre des affaires assurées pour préparer moi au courant de mon activité. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, qu'était ça l'hypoglycémie? Alors, une hypoglycémie, c'est nous dire quand d'ici qui me bat. OK? Donc, tout ce que nous mangeons, les convertions en énergie. Donc, qui dit énergie, m'a dit l'essence. Quand on a l'essence, elle ne peut pas capable de rouler. Okay? Donc, un égo humain, il réagit pareil. Okay? Donc, j'ai besoin de manger, je gagne l'énergie, je gagne l'énergie. Donc, du moment qu'il s'abaisse, je gagne l'hypoglycémie, je ne suis pas capable de bouger. Donc, je gagne. Tu gagnes faiblesse. Je faiblesse, je transpire, je transpire froid, je gagne vertige. Du moment que je comprends. Donc, ça, c'est un symptôme d'hypoglycémie. Alors, toi, tu as un diabète type 1. Qui différence est entre type 1 et type 2? Alors, les complications sont les mêmes pour type 1 et type 2. Donc, vous allez dire aussi que type 1, ce n'est pas une maladie héréditaire. Okay? Et simplement, la différence, c'est que, voilà, au niveau, nous prenons créancement type 1.
ne pas produire insuline. Donc, nous besoin prendre une injection insuline pour qu'elle compense ça manque d'insuline dans les corps là. Alors, contrairement au point de vue qui est en type 2, donc ce pancréas, il continue de produire insuline, mais pas la quantité suffisante. Et l'écho du type 2 là, il n'est pas sensible à sa insuline là. Donc, il besoin de prendre un médicament pour rester stimulé ce pancréas pour qu'elle produire plus d'insuline. Merci beaucoup. Et là, nous tournons vers Yavin Coupan, le Communications Officer de l'association Tidiams. Bonsoir Yavin. Bonsoir Sarah. Alors, au niveau Tidiams, quelle bonne activité qu'il peut faire pour soutenir justement sa bonne jeune qui est en diabète là? Bon, par exemple, en ce moment, nous avons une campagne de sensibilisation qui nous a déjà lancé depuis dimanche. Nous avons une activité marquante et traditionnelle de Tidiams qui s'appelle Enjoy Life, qui finit justement, c'est l'activité qui lance la campagne de sensibilisation. C'est que nous but, c'est que nous avons envie d'informer, nous envie de donner un peu plus d'informations par rapport avec le diabète de type 1. Parce qu'il nous remarquait qu'il du monde pas trop comprend qui fait du monde un diabète de type 1, qui fait un enfant capable de gagner ça, par exemple. Et dans la mauvaise perception que c'est par rapport avec la nutrition, que l'enfant il trop mange du sucre, des affaires comme ça, alors qu'il faut, il pas exactement, et pas du tout ça. L'action nous permet d'informer aussi l'autre action qu'il dit d'Iams faire, c'est-à-dire un service qu'il y donnait, et essaye justement prévenir qu'il y a un cas quand les enfants tournent sur les soins trop tard. On veut qu'ils connaissent qu'il y a un Tidiams, qu'ils sont capables de venir à Tidiams et avec nous, nous sommes capables d'essayer de faire des affaires pour eux. Merci beaucoup, Yavin.